Et bonjour tout le monde, Soximos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft et aujourd'hui les amis, on va voir l'avancée des travaux de notre nouveau voisin. Regardez, ils ont déjà commencé les travaux hier soir, on dirait qu'ils ont fait un espèce de marquage, ils ont déjà posé quelques matériaux. Donc voilà, on va voir l'avancée des travaux, alors sans trop les espionner non plus parce que maintenant c'est plus chez nous. Voilà, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont construire. Et d'ailleurs dites-moi en commentaire, bah, un petit pronostic, vous pensez que ça va être quoi? Un immeuble, une maison, des bureaux? Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez que c'est. Comme d'habitude, pensez à lâcher un maximum de pouces bleus, une vue est égal à un like. Et n'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait. Je sors des vidéos tous les jours les amis. Donc voilà, active la petite cloche et tout. Oh bah regardez, ils sont déjà là, dis donc. Wesh, ouais, ils sont déjà là. Attendez, on va regarder un peu. Oh les amis, c'est incroyable, ils sont... Ouais mais franchement, alors faudrait que je vous explique 2-3 trucs. Mais franchement c'est un truc de ouf. Waouh, ils construisent vite, wesh. Ah ouais, ça perd pas de temps en fait. Ça perd pas de temps. Ah, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Vous, disons que vous êtes au charbon là. Hein. Hier à peine il était vendu et là ça... Waouh. Ça va vite hein. Ah ouais, ouais. Bon, on est payé pour. Ah ouais, ouais, ok. Ah mais franchement... bah voilà, ok. Bon, je vais pas vous déranger plus que ça. Hein. Bon les amis, franchement, vous avez vu comment ils vont vite. C'est un truc de ouf hein. Regardez ça. Mais ouais, en fait il y en a deux qui se chargent de faire la tour. Ouais, y en a, il a carrément bloqué la route et tout. Franchement, alors, je vais vous expliquer un truc. J'ai vraiment une impression bizarre, mais genre, c'est vraiment des malades, les mecs. Genre, déjà, l'investisseur, il est arrivé. Moi, je pensais que l'acheteur, ça allait être quelqu'un qui allait avoir son petit projet de maison et vivre en famille. C'était un gros investisseur qui voulait, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire. Et là, il a amené ses ouvriers. Et regardez ça, comment ils sont efficaces. Je sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, leur truc est vraiment bizarre. Au début, je pensais que c'était une maison toute cubique. Et là, mais regardez, ils font même les fonds. Là ils viennent de faire les fondations, ils font les pylônes et tout. Ok. Wesh. Wesh, 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 wesh les amis mais... Ah ouais, ok, je comprends pourquoi ils voulaient pas que je coupe l'arbre. C'est parce qu'il a des ouvriers qui le font à sa place. Non mais franchement c'est vraiment un truc de ouf. Bon les amis, voilà, par contre ça fait un bruit de ouf la tronçonneuse. Bon bah voilà, c'est le but des travaux. Juste en attendant les amis, j'ai reçu un cadeau de Dark Luke. Voilà, Dark Luke m'a fait un cadeau pour mon fils Diego. Alors Diego est chez ma copine, donc Diego est chez Miss Liv, donc on va lui ouvrir, puis après on va lui offrir. Donc on va à l'intérieur, voilà. On va aller dans ma chambre, on va lui offrir, enfin on va ouvrir le cadeau de Diego. Voilà, parce que Diego il sait pas ouvrir les cadeaux et même je préfère lui offrir comme ça. Il y a une lettre avec. Ah voilà, c'est ça. Donc je me suis dit qu'il m'avait fait net. Donc bonjour Oximos, j'ai absenté un temps, j'ai appris une bonne nouvelle. Mon neveu est né, désolé d'avoir raté ce moment. Je tenais tout de même à vous offrir à toi et à ma soeur un petit cadeau pour le petit ange, Mathieu. Bah voilà. Donc Mathieu les amis, alias Dark Luke, et bah voilà, c'est le frère de Miss Liv. Et du coup bah c'est mon beau-frère. Mon beau-frère, ouais c'est ça. Ouais donc c'est mon beau-frère. Et du coup bah voilà, c'est son... En fait c'est son oncle en fait pour Diego, Dark Luke. Donc voilà, il a tenu à faire un cadeau. Donc un énorme merci à Dark Luke. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne. Et du coup, eh bien, on va découvrir le cadeau tout de suite. Allez, c'est parti. Wouh! Ah bah, mais il va trop aimer Diego. Ah, il va trop aimer. Parce qu'en fait, en plus, lui, alors, il y a un truc, c'est qu'il adore les peluches, mais on lui en a offert tellement que là, ça va lui changer. Donc regardez, il a des espèces de petits crayons. Il a une toy car et il a une kids wagon, donc il va pouvoir mettre tous ses jouets à l'intérieur et tout, ça va être trop bien. Ok, bon bah merci beaucoup à Dark Luke les amis, vous pouvez aller le remercier ou même le remercier en commentaire. Voilà, donc j'ai oublié d'en parler, mais n'oubliez pas d'aller checker dans la boutique pour commander un petit t-shirt. Alors je fais des vidéos en avance, donc je sais pas si il y aura sûrement un code de réduction à l'heure où je vous parle, sauf que je sais pas encore c'est quoi. Du coup n'oubliez pas, ça sera peut-être Oxy10 ou Oxy20. En tout cas allez, en fait cliquez sur le bouton de ma chaîne. Allez regarder dans l'onglet communauté, il y a accueil, vidéo, playlist, chaîne, il y a communauté et vous allez voir les derniers posts, il y aura peut-être un code de réduction, donc allez voir sur la boutique, c'est toujours avantageux. Bon alors est-ce que ça... Waouh, ah ouais mais ça bloque pas du tout, ils ont tout bétonné. Oh ils ont fait des bûches et tout, ils ont fait des petites bûches du truc. Oh, ils ont mis un pion, oh là là, mais c'est vraiment le vrai chantier quoi, ça rigole pas. Les amis ça rigole pas. Bon, du coup, les amis, on va... alors, ce qu'on va faire, c'est que avant d'aller chez Miss Liv,
déposer les cadeaux. On va faire vite fait un truc, c'est que on va aller dans, pas dans le garage, on va aller dans le sous-sol de la maison vite fait. Voilà. Et en fait, on va déposer les lingots d'or. En fait, j'ai gagné 40 000 euros en vendant justement mon terrain. Voilà. Et je vais mettre l'or avec tout l'or qu'il y a déjà ici. Voilà. On va mettre les 4 tas de lingots d'or. Donc 1, 2, 3, 4 pour 10, 20, 30 et 40 000 euros. Et on est bon, les amis. Donc voilà. Donc c'est super. Alors par contre je sais que Dark Luke il m'a envoyé un petit message et il m'a dit Oxymose, j'ai aussi envoyé des cadeaux à Mizliv pour Diego. Donc voilà, donc il aura aussi d'autres cadeaux Diego, mais je vais aussi lui offrir directement cela. Ok. Bon bah, voilà. Alors purée mais ils ont mis les échafaudages, les caisses à outils. Eh franchement vous bossez bien hein. C'est je sais que j'ai pas trop à m'intéresser à ça, mais c'est su. Enfin, vous travaillez hyper vite. Je pense que si j'ai besoin de faire un chantier un jour, je vous appellerai, franchement. Voilà. Ok. Bon, attendez. Waouh. Ah ouais, ça continue. Il coupe en petites bûchettes. Regardez, les amis, je m'approche un peu du chantier, mais. Bon, ils ont carrément bloqué la route. Ils ont des tracteurs. Ils ont. Waouh, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Voilà, ok. Bon, bah, c'est parti. Alors, les amis, nous, on va aller chez Mizliv. On va aller chez Mizliv, tac. Et on va déposer les cadeaux. Je vais quand même garder la lettre, je l'aime beaucoup. Et au pire, on fera. Vous savez quoi, on va faire une lettre pour remercier Dark Luke. Parce que c'est quand même très touchant ce qu'il nous a fait. C'est un super beau geste et voilà. Alors, je vais pas déranger Mizliv et Diego. Je pense qu'ils doivent être en train de se reposer. Donc en fait, je vais redéposer. Voilà, donc il y a aussi un cadeau et une lettre. Je vais hop, 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 déposer les cadeaux ici. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà, donc ils les ouvriront en vidéo. Ok, donc nous, de notre côté, on va faire une lettre pour Dark Luke. Alors, Book and Quill. Et on va faire salut. Salut Mathieu. Je te remercie pour les cadeaux que tu as fait à notre nouveau fils Diego. Alors je vais mettre une majuscule à Diego quand même. À notre nouveau fils Diego, il sera très content. Il sera très content. Passe à la maison quand tu auras l'occasion, je te présenterai ton neveu. Voilà, parce que c'est vrai que le truc c'est que il est pas en fait il a pas encore vu Diego, donc voilà. Donc comme il a dit, il a loupé l'accouchement et tout parce que bah il avait des petits problèmes. Et du coup bah voilà, il s'est absenté. Et du coup au moins il peut aller voir Diego et tout. C'est vrai que c'est dommage pour lui quand même. C'est quand même sa sœur qui a eu un enfant et tout. Donc c'est trop cool et voilà. Bon bah voilà. Alors on va rentrer à la maison les amis. Ça c'est bon, on a c'est le papier cadeau. Je vais déposer le livre et ça sera bon. De quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? What the fuck, les amis? C'est quoi? Mais attendez, mais... Wesh! Mais ils ont réussi à faire ça? Ah, mais c'était les piliers qu'il y avait là! Mais quoi? Les ont mis là? Mais attendez, mais comment c'est possible d'avoir fait ça aussi vite? Et pourquoi il faut une tour aussi grande? C'est trop moche! Mais les amis, je pensais que c'était une petite maison qu'ils allaient faire! Mais wesh, il faut une tour! Mais elle est pas finie en plus, regardez, il y a quelqu'un qui construit en haut! Mais quoi? Mais je suis choqué, les amis! Mais attendez. Oh. Monsieur. Ouais. Mais c'est quoi ça ce bordel? Pourquoi vous avez fait une tour aussi grande? Moi je sais pas, moi je suis payé pour faire ça, je fais. D'accord, ok. Bon bah. Oh, mais what, ça va jusqu'à la fumée. D'ailleurs la fumée qui est toujours pas partie les amis hein, de la centrale nucléaire. Faudrait que je les appelle quand même parce que normalement ils sont censés avoir démarré les turbines. Ouais mais ils ont même mis des échafaudages et tout. Bah par contre c'est vraiment bien fait. Mais ouais, je suis choqué. Je suis vraiment choqué. Bon, je sais pas ce qui va se passer dans cette tour, les amis, peut-être des habitations. Mais perso, je vais vous le dire, même si je suis le maire de la ville et je peux avoir des pouvoirs, ça me gêne quand même un peu, hein.
ça me gêne quand même un peu. Je sais pas s'ils ont réussi à avoir un permis de construire, mais qu'il y ait une tour comme ça qui donne sur chez moi, ça fait un peu bizarre quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Mais je suis choqué, je pensais pas que ça allait faire ça en fait. Je pensais pas que ça allait faire ça, honnêtement. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai pas mon mot à dire. Hein. Je pense que j'ai pas mon mot à dire. Écoutez, les amis, ce qu'on va faire, c'est que on va se laisser là. Dites-moi si je dois faire appel, enfin si je dois faire appel, c'est-à-dire contester la construction de l'immeuble pour qu'il soit détruit, ou si je dois le laisser parce que en vrai, je sais pas, j'ai pas trop envie de garder ça quand même à côté de chez moi. Mais bon, en même temps, j'ai vendu mon terrain. Normalement, quand tu vends un terrain, t'as le permis de construire, tu construis ce que tu veux en fait. Les voisins, ils ont rien à dire quoi. Je suis choqué de la hauteur du truc quoi. Et j'ai l'impression que c'est pas terminé en plus. C'est ce qu'il y a, il doit y avoir la fumée, ça doit peut-être les bloquer. Bon les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là pour cette vidéo. Je suis abasourdi par les événements les amis. Je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça. Vous avez vu, en l'espace de 2 jours, le quartier il a totalement changé. Je suis sur le cul, voilà, je suis sur le cul. Bref, c'est pas grave, on va faire avec et on va voir ce qui se passera plus tard. Bref les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu quand même. On a vu l'avancée des travaux, ça fait quand même de la nouveauté dans la ville et tout, mais je pensais pas qu'il allait avoir une si grosse nouveauté. Oubliez pas les amis d'aller voir dans la boutique, oubliez pas de commenter la vidéo, de liker, de partager, c'est le plus important. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de même vous abonner à mon compte Instagram. Mon objectif c'est les 40 000 abonnés en 2021, donc vous pouvez vous abonner, c'est @oxymosyt. Voilà, j'ai 27 000 abonnés alors je vous parle, donc n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup à tous et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Oxymose pour vous servir. Allez, ciao ciao.